Salut tout le monde, ici Chips et Noix, moi c'est Chips et je suis avec... Noix. Chao. Capic. Alors ça va Noix? Nickel, super, okay, génial. Ok, super. Eh bien aujourd'hui nous sommes partis pour une petite game entre, bah, comme vous pouvez le constater, les Curse EU et les Fnatic. Pendant qu'on a la musique que je vais couper instantanément. Voilà. Parce que nous on joue sans musique, vous voyez comme on se saigne un peu et comme on se sacrifie pour vous faire des vidéos de super qualité. Alors Noix, une petite annonce avant qu'on rentre dans cette game de folie. Le 19 septembre, venez nous voir sur OGaming TV. Sur OGaming TV, alors de toute façon, voilà, pour ceux qui auraient raté cette vidéo, qui vont la rater, pour les autres, et ceux qui auraient oublié, vous inquiétez pas qu'on va vous spam. Parce que le 19, bah voilà, nous on reprend notre première émission de la rentrée et on reprend en mode violence. Voilà, c'est ça. Et on va, on va entre autres faire des annonces pour notre tournoi. En fait, le 19 septembre ce sera une émission uniquement consacrée à notre tournoi. Voilà, donc on vous dira plein de choses, le nouveau nom, la vidéo de sang. La fameuse vidéo de sang, voilà, on va vous parler, on va vous dire comment c'est organisé parce que c'est très spécial quand même. On a pris un pari. On a pris un pari et voilà, on vous donnera les équipes et tout, il y aura des petites interviews, enfin bref, ça va être très... et un show match en plus. Un show match, ah oui, voilà, l'important aussi de la soirée, histoire d'animer tout ça, un gros show match, voilà, entre le fil rouge. Deux très grosses équipes et ce sera un show match alors sans enjeu, j'aimerais dire, où on va demander deux parmi les meilleures équipes européennes, on va leur demander de jouer fun. Faisez-vous plaisir les mecs, jouez vos persos. Ah, il est dur, il est super dur. Faites-vous plaisir, oh les là mecs. Là, là, là. Ah, celle-là, elle est collector. Celle-là, elle est pas mal, ouais. Ah, on peut, on, voilà. On peut. Donc, faisez-vous du bien. Venez vous faire du bien sur Gaming TV. Je vais l'entendre. Ah oui, celle-là, tu vas l'entendre. Voilà, donc, on vous en redira plus. On newsera notamment sur le fil d'actualité de Facebook, de Twitter. On a un Twitter aussi, @chipsnoix. Si vous voulez nous suivre. Et donc on nous sera sur Facebook, sur le YouTube aussi via le fil d'actualité. Sur les équipes et tout. Mais en tout cas le 19 septembre à 19h, c'est ça Noix? À 19h. Le 19 septembre à 19h, rendez-vous sur Gaming TV pour un chômage de folie et des annonces de folie. Voilà, maintenant je pense qu'on peut retourner à cette partie. Alors, c'est Curse, regardons un peu. Ouais, donc les Curse ont décidé, un peu de brouiller les pistes, Maintenant, ça se fait de façon assez commune quand même. Mais ils ont envoyé un chaîne en bot lane, Noix. Donc leur chaîne va devoir tenir en 2v1. Et top, ils ont quand même une team avec une Sona. Et moi, Sona, je trouve que c'est un super champion pour jouer le 2v1 comme ça. Parce qu'elle a quand même un des meilleurs Arras. Voilà, tac, c'est parti. Elle va sûrement se caler entre la ligne de creep. Tu peux prendre un Blitz aussi en mode deny. Ouais, c'est pas mal aussi. Après voilà, il y a toujours le danger de te prendre un jungler, mais après Malphite, c'est pas le personnage qui fait le plus peur en gank, du moins avant son niveau 6. Ouais, parce qu'après effectivement, après le niveau 6, c'est assez dur à éviter si c'est bien coordonné. Et là on voit Fragger, alors il y a pas les équipes au complet hein. Là on voit un support que je ne connais pas d'ailleurs, Fragger. Oh attention, Soas qui agresse, qui va tenter de caler un stun, l'arrivée de Scannen qui flash in, la fatigue qui a été claquée sur Soas, Slipper est mal, Slipper a le debuff du red buff et là il a réussi à flash le slow, le shuriken. Non, le rush point qui ne passe pas, l'ignite qui est passé, oh. Et un petit coup pour finir, ça va peut-être suffire, oh, oui ça suffit. First blood de la part de Soaz et de Cyanide, c'était bien mené là, et surtout le gros bait de Soaz de début, ils auraient dû s'en méfier. Ah c'est, en plus il y allait, Slipper il y allait en mode Valkyrie et tout, c'est bon il est pour moi, et ben flash in de Cyanide et on sanctionne tout ça. Ouais mais ils auraient dû s'en douter, honnêtement c'était beaucoup trop gros, mais comme quoi le bait Noix fonctionne à haut niveau même entre les meilleurs joueurs du monde. Voilà, ils sont fait complètement attraper. Et en bas il y a aussi une bien infâme niveau Arras, hein, Ezreal. Oh merde, le Lutten, Lulu. La Lutten. Je suis pas encore in the mood là. Là, effectivement, donc là, la Lilliput de. Là, c'est Killwar qui joue, donc qui est un des nouveaux joueurs Eclipsia qui a remplacé Sky. Et cette line-up, donc. Enfin, ce combo, on va dire, de Lulu et de Ezreal qui avait été sorti par les Fnatic justement, mais avec Lamia, la gros combo incoming. Et la fissure qui est ratée malheureusement, alors ça voilà, Ryze au mid, quand il y a un jungler aussi avec un crowd control, c'est un des trucs les plus infâmes que vous pouvez vous prendre, parce que le stun de Ryze qui est un stand, qui a une portée pas dégueulasse,
qui est ultra fort en gang, t'arrives, paf, t'as un gros burst, tu balances ton truc, et après le jungler arrive, joli tone de chaîne sur Lulu, la fissure qui ne passe, enfin le silence qui ne passe pas, je suis vraiment pas dedans encore, hein. Tu vas devoir m'aider aujourd'hui, Chips. Hein. Ouais, et là du coup c'est le retour de bâton de la part des Fnatic sur la botlane, un peu de Haras. Alors Maluno qui aime particulièrement jouer Shogat en ce moment, Shogat en jungle. Shogat c'est un espèce d'hybride, on en parlera un peu après, parce que là, il y a Cyanide qui se met en position, il n'y a pas de ward, et il va y avoir un fight et un bait de nouveau, Noah et un bait, et Maluno est vraiment énormément avancé. Là il va sans doute prendre le slow, il décide de flash out, il prend de lourds dégâts et Killwar prend le kill sur Maluno. Attends, en gauche, en gauche, en gauche, le doublé, double kill, l'ignite, le bon Haras et le red buff aussi quand même qui a fait une petite différence, le red buff sur Ezreal qui fait mal. Alors là Maluno ils sont mal partis les curses là-dessus. Ouais, clairement. Mais voilà. En fait, Shogat, c'est moi c'est un. Il y a plusieurs catégories de junglers dans le jeu. On va dire des junglers plus tanky, plus CC, et des junglers un peu plus fighter. C'est comme ça que les appellent les anglophones. Parce que j'ai lu pas mal de trucs, de ce qu'ils disaient aussi notamment sur Reign of Gaming. Et en fait, Shogat, c'est un peu à mi-chemin entre les deux, parce que c'est un personnage quand même qui dispose d'un nombre de CC monstrueux, qui à côté de ça... Et qui deal beaucoup de dégâts. Avec son, enfin, principalement par son ulti. Hein. Et il est assez rapide dans la jungle, hein. Honnêtement, c'est vraiment pas le jungler le plus lent du jeu. Il a du burst damage, donc c'est un jungler qui est un peu à cheval entre les deux catégories. Et qu'en penses-tu du stuff en cours, Boots the Mobility First? Eh ben, en général, Shogat, ça se joue aux runes et aux masteries de move speed. Tu prends tout ce que tu peux en move speed dans le jeu qui est disponible. Et alors, bon, par contre, Boots the Mobi, j'avoue, c'est un peu particulier, mais ça permet d'arriver plus vite au corps à corps pour un Shogat, et surtout d'être mieux en position pour placer ta rupture. Donc, c'est intéressant dans ce sens-là. Voilà, je pense moi vraiment que c'est pour pouvoir caler la rupture de façon idéale. Et le pic du mythe d'ailleurs, on l'a pas fait remarquer, mais la Orianna de PK va lui permettre d'être à max range. Très safe, voilà, c'est ça. Très. Ce que Ryze, bon ben, le défaut principal de Ryze, c'est sa portée. Pour être agressif, il est obligé de se mettre en danger et ça peut se faire sanctionner. Une Orianna qui peut l'assister à la boule, qui a une très grosse auto-attaque, bah, elle aura aucun problème à tenir Ryze. En plus, voilà, c'est Ward, Maluno qui se met. Mais surtout, elle se met pas à l'éventuelle portée d'un combo de des curses. Aussi, ouais. Voilà, donc c'est là-dessus, c'est intéressant le pick de Orianna. Et donc, que donne le switch de lane? Parce qu'en fait, le switch de lane, il y a. Je dirais que c'est plus un pari, parce que fais voir l'état des tours. Est-ce qu'il y a du fast push? Pas réellement en fait, hein. C'est even, c'est mid-life là, enfin ouais. Un peu plus de mid-life, et là c'est un petit tiers. Ils ont pas vraiment cherché à full push, parce que parfois la stratégie des teams en faisant prendre la tour et après de repartir sur l'autre lane. Ouais, prendre la tour le plus vite possible, mais là ça a pas été le cas. Ninja Gang, ça a été des wards avec une pick ward, ils l'ont pas vu. Et il y a le niveau 6 en plus sur Cyanide, ça va faire très très mal ce gank. Ça va faire très très mal. Slipper, il peut se faire one shot. Surtout, il y a pas le niveau 6 sur Sona, et donc ça veut dire pas d'ulti pour counter engage ou pour disengage. Il est pas là avant un bout de temps, et dès qu'elle va s'avancer, elle va se défoncer. Le problème c'est que là ça push, et voilà, il faut pas tarder à y aller. Attention, le flash out de Fragger, et ça passe pas, l'ulti de Skill War qui passe à côté, malheureusement. Ils vont pouvoir s'en tirer. Il y a Maluno Kari qui a aussi son niveau 6. Ouais, mais c'est chaud. Tranquille. C'est chaud parce qu'il y a beaucoup de dégâts qui ont été faits sur Fragger, et surtout il a pas son niveau 6, donc il est loin derrière. Et là, je pense que ce qui a compté sur ce gank, c'est que Enraged n'a pas réussi à morph la Sona, du coup elle a pu utiliser ses spells pour s'enfuir. Il n'y a pas eu de... Voilà, Killwar n'a pas touché avec son ulti, donc ils auraient pu cette dive au cas où, mais bon, sinon sans ça c'était cuit. Bon, ça rassure quand même de se dire que là il y a Malphite qui se balade sans ulti et sans flash. Et il y a Maluno qui est passé sur la war malheureusement, et Killwar était vraiment avancé. La rupture qui passe, Killwar qui se fait choper, Valkyrie et Angouche qui a TP, et Killwar qui a pris l'ulti de Enraged et Fragger qui tombe sous les coups de Enraged avec l'aide de l'embrasement. C'est bien joué là, et on sent l'impact du chêne. Voilà, le chêne niveau 6, ça veut dire que sur toute la map, eh bien tu vas te faire counter gank. Voilà, là ça va partir. La logique, c'est que quand tu fais ça avec chêne, tu décales sur le Drake, et la logique veut que en haut, ben tu perdes ta tour. C'est ça. Donc Soaz, alors ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un petit Kennen jouer au top, ça me fait plaisir. Ne bouge pas, qui va essayer de rejoindre le fight. Ouais, alors là, je sais pas s'il fait le bon choix. Je pense pas que ce soit le bon choix. Ça a été ping en plus, les curses le savent, ils prennent le Drake sans souci. Donc voilà, Soaz va back finalement. Bon bah, je pense qu'il y a eu un... C'est dommage, perte de temps, ouais. Il y a eu un petit manque de communication là, ou alors ils ont surestimé leur capacité à empêcher les curses de le faire. Mais bon, avec deux personnages comme Shogat et Ryze, normalement tu peux tanker...
tellement de dégâts que... Et puis en plus, voilà, pour se le faire voler, t'as la voracité, voilà, le festin et le smite, c'est comme essayer de voler un truc, un Uniu ou un Lee Sin, c'est souvent compliqué. C'est vrai que j'en avais pas parlé, mais l'avantage du Cho'Gath, c'est aussi que par rapport à plein, à l'instar d'un, bah justement, d'un Uniu, d'un Lee Sin, et donc d'un Cho'Gath, tu as un truc en plus pour prendre le contrôle des objectifs neutres. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Encore faut-il l'utiliser. Mais là, ça a bien été fait par les Curse. Ils sont allés chercher très tôt le dragon dans la partie, 10 minutes de jeu. D'ailleurs, c'est les Curse d'Amérique du Nord, les Curse US, qui sont connus aussi pour leur agressivité au niveau du Drake. Ils aiment bien le provoquer très tôt dans la partie. Et ils sont toujours réglés comme des Olorchus. Entre Curse U et Curse US, c'est les US qui sont plus forts. Pour moi, il n'y a pas de doute. Après, les EU ont un beau potentiel, mais ils ont été un peu en deçà récemment. Je sais pas, j'aimerais me dire que le continent américain est globalement en dessous, pendant qu'il y a le flash de PK, est globalement en dessous du continent européen. Mais c'est normal, voilà, on est le vieux continent, on est le beau continent. C'est on ça. On aurait pu dire que, bah, comme les CLG, hein, les CLG US, tu les mets en dessous des CLG EU, tout ça. Et ouais, pour le coup, je pense que c'est un peu plus vrai par contre. D'ailleurs, les CLG EU qui ont perdu la finale de l'OGN Champion organisée en Corée. Et on n'avait pas souligné, mais PK a, en plus d'avoir un personnage qui a une range monstrueuse, il a pris la purge, il vient de l'utiliser. Et Maluno qui a décidé d'impacter cette game. Un silence et une rupture, ça passe sur Kill War. Mais il y a Scanil qui est en backup, Scanil qui a un ulti. Ça va faire très très mal, je pense. Maluno, il va sûrement jump. Il en touche deux. Il utilise Reel, la jolie ulti de Fragger qui arrive, c'est un peu à temporiser. Mais à mon avis, il va quand même y passer. Slayer qui va peut-être pouvoir s'enfuir. Non, il se fait polymorpher. Et le TP là sur le creep. Kill War qui prend le kill sur Fragger et le ton de la part d'Angouche, Angouche, un maximum d'impact c'est cette partie. Fragger, il aurait pu s'en sortir et je pense qu'il a vu le TP dans la team, ça a dû dire back, j'ai le TP, etc. Et bah, il s'est fait achever avant l'arrivée d'Angouche. Et là, c'est un chêne noix qui joue au TP. Donc, c'est-à-dire que même si tu l'utilises intelligemment, même pendant le moment où son ulti est en cooldown, le chêne peut quand même avoir un impact dans la partie s'il a son TP de up. Donc là, c'est vraiment un top qui est là et pour maîtriser la carte et pour mettre la pression sur les Fnatic. Et Soaz là il pardonne pas, il prend la tour. Je voulais revenir sur l'engage de Cho'Gath. Alors si vous voulez savoir comment gank avec un Cho'Gath jungle, bah, regardez bien ce que fait Maluno. Parce que avant de claquer une rupture sans Ezreal qui peut blink la rupture, il silence. Voilà, silence d'abord. Le silence de Cho'Gath il est très efficace. Il dure 3 secondes, c'est ça, quand il est bien up. Donc là il fait un but, enfin il monte ses skills de façon totalement logique. C'est le Vorpal pour le jungle. C'est ça. Et après normalement il devrait monter le silence parce qu'en fait la rupture a pas beaucoup d'intérêt à être monté, tandis que le silence, si tu le montes, ça up ton temps de... Voilà, ça up le temps du CC, donc c'est très intéressant. Et donc voilà, faites d'abord votre silence, puis après la rupture par-dessus, comme ça vous êtes sûr que le mec va pas vous flashade. Attention, Slayer qui se donne, Slayer qui se donne, l'ulti de chaîne. Ça suffira pas une rétine qui arrive en renfort. Ah, Slayer là, qui est un peu confiant. Ils ont peut-être essayé un bait et je pense pas qu'ils s'attendaient à se prendre autant de DPS dans la face. Ouais, mais surtout que là il a fait... Angouche a fait une grosse erreur parce que l'ulti de chaîne a été nerfé au niveau du cooldown. Et donc, il avait très bien impacté la partie depuis le début, mais là, il a un ulti claqué pour rien. Et donc pendant 2 minutes, ben il va pas pouvoir se balader sur la carte et mettre la pression sur l'équipe des Fnatic. Donc les Fnatic qui risquent un peu d'évoluer tranquille, notamment cette bot lane, moi. Cette bot lane, j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'avantage. 5-2, là, Ezreal... Il a son phage, il a le supplément de burst via la brillance, et il a un petit sceptre vampirique. Est-ce qu'il commence pas à profondément t'énerver, ce personnage? Bah moi, je le banne maintenant, parce que franchement, c'est skill, mais t'en vois partout. Franchement, c'est peut-être un peu trop fort, Ezreal, actuellement. Il a quand même un debuff de ouf, c'est pas souligné, là, autant pour moi. Ouais, on va revenir au mid. Alors, Extinct est full life, tandis que PK ne l'est pas, mais il y a Scanil qui a son flash, il va sans doute le flash ulti. Oh, pop, c'est parti, il est dedans, il a flash, et forcément, il met tout sur Extinct. Il a quand même énormément de DPS, hein. PK 1 contre 2, il aurait pu essayer de le défoncer pendant qu'on a le oracle sur Maluno, qui profite un peu pour virer map control. Il reste plus qu'une petite ward ici, celle-là, faut la choper. Et on n'a pas souligné, mais les Fnatic ont un combo qui maintenant est quand même très connu, qui est Orianna Malphite. On met la boule sur Malphite, ulti Malphite, ulti d'Orianna. Et en plus, par-dessus, pour le trip, on balance un Kennen. Et surtout, un ulti de Lulu qui peut encore rajouter en temps de CC. C'est un bump en plus. Je pense qu'en fait, vu que les trois vont être tellement dans le tas, les trois autres, Ezreal, Lulu va rester collé à Ezreal.
Et enfin, c'est quasiment intuable un Adhécari en focus. Alors déjà un Ezreal c'est chiant à tuer, mais en plus avec une Lulu qui ship, qui balance en ulti, ça devient inchoppable. Bah, c'est vrai que là Enretti il a plusieurs possibilités pour utiliser son ultime. Hein. Soit il rajoute en CC dans le tas sur un engage du Malphite, soit il protège son carry. Ça va dépendre de l'engage de son équipe. Fryer qui va tomber, le contre-gang de Maluno, joli ulti, énorme ulti Maluno, et la rupture. Cyanide qui arrive à faire un joli contre-ulti, la rupture. Oh non, non, Enretid qui se shield là, c'est tendu, attention. Et Slayer qui tente de deal du dégât, mais Killwar qui deal. Énorme rupture, ça a vraiment, enfin énorme rupture, énorme multi de Sona en réflexe. Et Cyanide qui a réussi à sauver les niches de ses alliants en se tenant tout ce qui arrive en. Tout ce qui arrive. Eh, c'est affreux. Attention, Soaz qui va peut-être punir en gauche. Non, en gauche, arrive à s'en tirer. Il a été obligé de craquer son flash là-dessus. Flash plus taunt. Plus le taunt, pardon, d'utiliser de la part d'Angouche. C'est la nouvelle cabane de Georges, je pense que c'est ça qui est impressionnant. Ah oui, bah, on est dans nos nouveaux locaux. D'ailleurs, pour ceux qui ne nous suivent pas sur Facebook, on a mis une petite photo marrante. Et donc, Georges s'est aménagé une nouvelle caverne, un fort de couverture avec des boîtes un peu partout, et c'est génial. Mais c'est intimidant, voilà, c'est retour en enfance. Attention, Extinct qui arrive à flash out l'ulti de Peke. Alors ça, voilà, c'est le problème. Enfin, le problème, c'est normal, j'ai envie de dire, mais l'animation de l'ulti d'Orianna est rapide, mais tu la vois venir, et donc tu peux flash si tu as de bons réflexes. Non, ben c'est... Et ça arrive souvent d'ailleurs, hein. Tu vois la boule qui arrive, tu vois les deux petites boules qui commencent à tourner, tu fais... Shit. Et là, il y a un repop du Drake. Alors là, par contre, les curses ne sont pas au rendez-vous. Pas du tout dessus. Le gang sur Soaz avec Shen qui rate son taunt, c'est dommage. Est-ce que ça valait le coup. Et il y a le rush foudroyant qui va revenir. Le rush foudroyant qui est là. Il bait. Il a son rush. Il est juste en train de bait. Mais il a peut-être été un peu gourmand, Soaz. Oh, Soaz qui prend tout de même le kill. On va revenir en arrière, noir, parce qu'il y a eu un tas d'actions pendant ce temps-là. Alors donc, c'est au mid. Il y a eu un kill pris de la part de Peke. Mais non, bien sûr. Et bien le dragon qui est fait en même temps. Et là on revient aller pour le plaisir. Hop. Voilà. Et donc du coup les Fnatic ils se mettent quand même très bien. 3-10, ils sont 6K gold à 16 minutes, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Ouais. Et au niveau du farming, alors on l'a pas regardé, alors le mid ouais qui se prend 20 creeps, c'est pas énorme mais c'est déjà quand même sympa. Ouais, c'est pas facile pour un Arras quand même contre une Orianna. Hein. Il subit son Arras du fait de sa courte range et il y a pas grand-chose à faire. Shogat qui a pas mal faim en jungle par rapport à son pote Malphite, le TP de Shen qui va arriver, attention Slayer à pas zoner, énorme Valkyrie, l'ulti d'Ezreal, Killwar qui va se barrer, et voilà, ils vont pouvoir s'enfuir tranquillement. Ouais, et ils arrivent à s'en sortir là-dessus, donc encore une fois, ils ont bait un ulti d'Angouche, cette fois-ci l'ulti d'Angouche n'a pas eu d'impact, mais on sent que là les curses lâchent un peu du lest, ils sont un peu outplay de partout par les Fnatic, et les Fnatic gèrent bien la map, ils gèrent bien les gangs, et surtout cette bot lane, elle pose problème aux curses parce qu'elle domine complètement leur bot lane et qu'il faut sans cesse des interventions de Maluno et de Angouche. Énorme avantage de soft, on le voit, il y a la Trinité qui est finie pour Ezreal alors qu'elle est à peine en commencement, joli ulti de Fryger, mais voilà tout de suite ulti de Lulu, on bum tout ça et après Ezreal qui va voir quand même son transfert arcanique, il n'est pas là tout de suite. Ouais mais il a un boost de vitesse, mais Maluno est là, il va le manger, et Maluno qui croque un petit morceau de Ezreal, voilà une petite blonde comme ça, ça croque sous la dent, hein. Et on va dire que le skin de Ezreal porte un peu à confusion, il est un peu efféminé comme personnage en mode manga et tout, et donc voilà Shogat qui croque une petite blonde. Il fait de la K-pop. Voilà, de la K-pop. De la K-pop, effectivement. C'est un perso qui peut correspondre au truc. Oh, Soaz qui a envie d'aller titiller un peu en bouche. Je comprends pas, voilà. Hop là, rush foudroyant, on se casse, il y a toujours un ulti. Voilà, et donc compo triple AP. Compo triple AP. En comptant le jungler. C'est pas faux. Oui, et donc, c'est vrai, le dernier avantage de Shogat dont j'avais pas parlé, mais qui était sous-entendu, dans le fait que c'était un jungler un peu hybride et qui était en un sens fighter, c'est Shogat, il peut aussi, c'est un jungler qui peut farm la jungle très vite et longtemps parce qu'il a ses pics vorpal, donc il va très rapidement. On l'avait dit, on l'a souligné. Voilà, mais donc c'est un jungler qui peut carry potentiellement, qui peut acquérir un gros montant de stuff. D'ailleurs, c'est quelque chose que font beaucoup les curses US, c'est Sandy Shoes. Il prend, en ce moment, il prend que Shyvana et il a AFK jungle jusqu'au niveau 6 et il farm énormément. Skyler style. Mais en fait, ouais, il transforme son jungler en un farmer qui peut carry.
Et il prend tout, il prend tout. Il décale les ghosts ennemis. Enfin, il counter jungle dès qu'il peut. Et il gank, voilà. Il se dit de toute façon, ils vont s'escape. Regarde la différence de gold, enfin de creep entre Maluno et Malphite. C'est énorme. Par contre, est-ce que ça se traduit au niveau des golds? Bah, y a deux parce que Malphite a été assez. Voilà, il y a deux objets à gold. Y a quand même 3 tours pétés contre 0. Un Drake partout. Donc, ça et 5 assists. Et 5 assists. Après, il y a un kill et 2 assists. Ouais. Mais l'objet à gold, bah, on va regarder où est-ce qu'il en est de la rentabilisation de son objet à gold, parce que maintenant c'est marqué 451, 327, et notre ami Shogat, 238. Bah ouais, forcément ça impacte ça, bah, carrément. Voilà, c'est les 600 gold de différence, ils sont là. Il a pris très tard en fait, il a pris très très tard, et on continue à voir cette bot lane des Fnatic qui met la misère. Oh, on va back en arrière, on a eu un kill au top. Au top, c'est Soaz qui s'était un peu. Alors, qui était là et qu'est-ce qui va se passer? Je pense que. Forcément, c'est l'enchaînement de CC. Soaz qui tente de claquer un ulti en désespoir de cause, mais ça ne passe pas et Soaz tombe. Et alors, attends, comment ça se passe? Ben, en bas, ils sont quand même restés assez impunis là, les Fnatic. C'est. Franchement, ce Ezreal, faut le buter un jour ou l'autre parce qu'il va vraiment être pain in the ass. Hein. Ouais, mais c'est très compliqué pour eux de venir à bout de cette botlane, quoi. Il y a un speed, un shield de la part de Lulu, il y a un escape naturel sur Ezreal. Oh, attention, flash-in de la part de Fragger et on cale tout ça avec la rupture, c'est génial, c'est pas mal. Mais est-ce que ça suffit? Killwar qui se fait sanctionner par Angouche qui a utilisé son ultime pour rentrer dans la bataille. Enrated et Cyanide qui sont le chase, mais Enrated utilise son cul pour slow l'ensemble des curses et arrive à s'en tirer. Très très beau combo de la très part des curses, voilà, joli ulti et tout de suite la rupture qui arrive derrière et le silence. Je crois qu'il a pas eu le temps de faire son silence tout de suite, mais bon voilà, bah, flash nom nom nom. C'est ça, c'est très beau combo de CC de la part des Alors curves. 1 contre 1 par contre, kill le vaut, Extinct qui fait quand même de bons dégâts. Il y a moins de brain, allez les cooldowns qui sont revenus. Ça va jouer cage. Au cutting, ça va jouer au cutting, mais je comprends pas. Extinct qui back, puis tu reviens, mais oh, allez oh, c'est bien joué de la part d'Extinct qui prend le kill sur PK. Je serais toujours pour un Ryze. Il y a eu la bataille de Kite là, la bataille de Brain, et finalement il a utilisé la perte de vision de PK pour se rapprocher grâce à son flash. Petit, ouais, c'était petit bien flash vu de la part à travers la boule. Il a vu la boule arriver, flop. Et le temps du retour, le temps de se remettre le shield, c'était fini. Quand même voilà, Ryze en 1 contre 1, c'est extrêmement fort. Surtout quand il est à portée. Quand il arrive à maintenir une range à partir de laquelle il peut blaster, bah forcément c'est compliqué de l'out damage quoi. Sur le temps, de toute façon, Ryze a été créé pour être la mitraillette magique. C'est comme ça qu'il l'avait décrit lors de sa refonte. Voilà, lors de sa refonte, parce qu'avant c'était censé être le burst magique. Effectivement. Tu faisais tes 3 sorts A, Z, E, R, F, et voilà, tu mourrais. Oulala, attention, Enrated qui se fait attraper, qui va se faire des pops sans aucun doute. Slipper qui prend le kill grâce à un petit ulti bien placé. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais il n'y a plus beaucoup de mana. Ouais. Alors là, un truc qui est intéressant en fait dans les compositions des deux équipes, c'est que les Fnatic ont une composition qui est archi puissante pour l'engage. Bon, qui est aussi pas mal sur le counter engage, mais par contre pour le counter engage, les curses sont monstrueux parce qu'en général une Sona l'ulti Sona est utilisé, donc le crescendo il est utilisé après un engage adverse, et en plus de ça tu as la rupture et tout, et le tonne de chaîne, donc ça peut aller très vite si les Fnatic ne font pas la différence sur l'engage. Il faut absolument que Ezreal il sorte en ceinturon de mercure, il a pas pris la purge, ce qui je trouve ça étonnant comme choix, mais il lui faut son ceinturon de mercure très très vite parce que... Sinon, il va toujours se prendre un code contrôle. Avec tout ce qu'il y a entre le tone de chaîne, l'ulti de Sona, la rupture, le silence, la cage de Ryze, s'il s'en prend pas un parmi ceux-là, c'est qu'il y a un des curses qui a pas fait son taf. Alors c'est parti, les Fnatic qui veulent push, Kennen qui a mis une petite ward, là, histoire de s'assurer de la vision entre les deux tours pour voir s'il y avait personne qui traînait ou personne qui préparait un mauvais coup éventuellement. Les Fnatic qui arrivent à prendre cette tour et qui vont se diriger vers le Drake. Alors là c'est quand même l'heure de vérité pour moi pour les curses. Ils sont 6k gold derrière, ils ont quand même deux persos archi tanky mais qui peuvent se transformer en fighter. Il y a Shen qui va des push et qui se... Non, il va se TP en cas de problème avec son ulti. Ouais, ceci dit, ouais, l'ulti est revenu. Il y a le TP de up, donc là, les curses, il faut qu'ils fassent quelque chose. Ouais, non, les Fnatic prennent le Drake. Le Drake qui est pris, et là, c'est peut-être pas le bon moment pour engager. Le Drake, il est fini, ils sont derrière. Il vaudrait mieux pas prendre. L'ulti, mais là, ça se voit, non. Et le kiting, ça s'est super bien joué de la part des Fnatic. Le kiting, et Soaz qui profite de l'ouverture. Paf, ulti de la part de Killwar qui touche toute la team adverse. Et là, c'est parti en tous les sens. Ulti de la part de Sona. Oh, l'ulti de la part de Sona fait très mal. Enrated qui va sans doute tomber. Et Noah, son. Oh, ulti de la part. Qui s'est fait complètement dépop, et le teamfight qui est super. Super bien mené par les curses. Killwar, voilà, il s'est fait choper, il s'est fait instant. Et ou attention, Slipper, les bons dégâts qui sont faits. PK qui arrive bien à garder la distance, mais voilà, il n'y a plus de mana, ça va rentrer. Bon, ben, un Drake.
Un Drake et un kill contre deux kills, c'est quand même le Drake et le kill qui gagne au niveau des golds. On peut revenir en arrière voir ce team fight. Parce que je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est... reviens 15 secondes en arrière encore. Mais regarde surtout la, le dépop de Kill War. Ouais, mais je pense qu'une chose qui a vraiment fait la différence, c'est que Peke n'a pas mis son ulti au cœur du team fight. Vas-y, mets en moins. Tac, là on a la rentrée, tac. Et Soaz prend très cher, Soaz et fatigue. Mais il y a un bon combo là, il prend 3 personnes quand même. Regarde, ça nous laisse... Mais Kill War, pourquoi il a le jump dedans? Le jump in de Kill War qui direct se fait massacrer. Alors Kill War qui a fait une bonne erreur quand même. Ouais. Une bonne grosse erreur de positionnement là, c'était vraiment... c'était dommage. Et... En fait, ce qui fait la différence dans ce teamfight, c'est 2-1, la fatigue sur Soaz. Et voilà, l'ulti qui arrive que maintenant. La fatigue sur Soaz, Peke qui met très tard son ulti et Kill War qui fait une énorme erreur de positionnement et qui se donne... qui se donne à la charité, quoi, qui donne son cœur à la science et qui s'est fait punir. Du coup, en fait, les cœurs sont surtout beaucoup profité, je pense, des erreurs des Fnatic sur Teamfight. Mais voilà, c'était un beau teamfight de leur part. Par contre, les Fnatic ont quand même pris le Drake, donc malgré le bon fight et la tour quand même qui est prise là, eh ben, il reste ça leur permet de revenir 7K un gold peu, derrière. 7K gold. 6K, allez, 6K5. Après, voilà, en counter engage, ils sont quand même... très bien Sona. On l'a vu hein. Sona qui fait un énorme boulot hein. Sona faut le préciser, ses ultis sont scandaleux depuis le début de la partie. Bah voilà, mais en fait c'est le truc de Sona, un très bon ulti de Sona, ça retourne un team fight, quelle que soit la façon dont il était engagé. Là il avait pas été trop mal engagé, mais voilà, un manque de coordination. Ils se sont bien fait bait sur l'ulti de Shen. Shen au début il était planté. Oui. Et les ben... Ah non, mais moi je disais que les Fnatic avaient plutôt bien engagé au début, mais après il y a eu un vrai manque de synergie et de communication, je pense, qui a fait que ben, tout n'a pas été bien exécuté. Et puis voilà, Orianna qui était un peu en dehors de la fight, je suis même pas sûr qu'elle ait pu faire son brassé de feu mortel sur quelqu'un. J'ai pas vu ça. Elle était zonée complètement par là. Est-ce qu'il était fini? Je sais même pas. Mais effectivement, les curses au début, ils sont... Oui, si, il était fini, si elle rabat donc derrière. Ça faisait un peu genre... éléphant qui arrive avec ses grosses pattes, quoi. Genre le TP de Shen sur Maluno, enfin... T'engages pas une top team comme ça, enfin c'est trop grillé, c'est trop gros quoi. On l'a vu en plus contre une Lulu qui peut kite toute la team adverse grâce à son cul, bah ça passe pas quoi. Ouais, ça passe pas. En plus le Drake avait déjà été pris, donc les mecs peuvent se barrer et se dire bon bah ciao quoi, ciao, ça sera un ulti en moins. Et on va donc te mettre la pression ailleurs. Ça avait vraiment été mal fait par les curses, mais après ils s'en sont bien sortis dans le teamfight, ils sont bien servis des erreurs des Fnatic et voilà, donc ils reviennent un peu dans la partie. Ceci. Au niveau des kills, parce qu'au niveau des golds, c'est beaucoup moins vrai. Attention Extinct, ouais, qui prend des risques. En attendant, il y a du split push de la part de Soaz et Angouge, qui joue le chêne. Hein, son ulti pas là, mais il a pris la cape solaire. Il a son TP, il a la cape solaire, il joue le push. Et là, c'est le TP, c'est parti. Énorme ulti, la rupture, c'est peur qui va tomber quand même sous les coups de Peke. Kill War, qui a utilisé son ange gardien. Et Soaz qui le protège, noir, grâce à son ulti. Et Soaz qui en plein milieu, qui zone bien avec son ulti. Mais là, il n'y a rien qui tombe du côté curse. Et Soaz qui va tomber, attention Orianna. Oh, Soaz qui s'en sort, joli shield et Peke qui arrive bien à zoner. Attention qui se fait récupérer. Oh, les dégâts, le dépop, le bracelet formatal directement dans la phase de Ryze. Et il s'en sort très très bien malgré cet engage compliqué. Ouais, mais Soaz a fait un très bon taf en utilisant son ulti pile au moment où l'ange gardien allait revenir. Ça a permis de préserver son carry AD. Et alors là, c'était magnifique. Voilà, Lulu qui avait gardé son ulti et dès qu'il War a pop, hop, l'ulti, ouais. On bump Ska autour. Le flash, enfin le jump out. C'est et on était tranquille. Non, mais les Fnatic ont pris une excellente engage des curses là sur ce coup là. C'était terrible l'engage des curses. Le crescendo, puis la rupture de Shogad par-dessus. Enfin, je veux dire, tout a été millimétré. Pile à la fin du crescendo, t'as la rupture qui pop, c'était parfait. Ce qui est dommage, c'est que ça a manqué un peu de DPS parce que là, normalement, avec 4 mecs. C'est un problème. 4 mecs paqués comme ça, enfin, ça aurait été 4 curses paqués de la même façon avec le DPS à haut des Fnatic qui se faisait one shot. Mais la différence, c'est que les Fnatic jouent en double AP et le double AP. Là, on est en plein dans le mid-game et le double AP en mid-game, ben, c'est juste dévastateur. Attention, quoi. Slipper, la petite Valkyrie pour se casser. Et Kill War, la Kill War, qui a fait un départ de game canon. Et là, il fait des erreurs. Et voilà, sanction. Et en plus, il laisse le kill à Extinct avec son Ryze. Donc, c'est vraiment bien joué. Les Fnatic décident de speed push en attendant. Ils ont vu qu'il y avait 3 joueurs des curses en bas. Mais bon, ça passe pas. Il y a quand même. Un Corki pour des pushes. Ah non, qui a déjà récupéré son Zonia, ok. Et bon, par contre, voilà, ils ont vu Shogat en bas, Shen qui n'est pas encore là, mais voilà, ils vont préserver leur tour. La tour qui a pas pris très cher.
Après, il faudrait qu'ils rattrapent des tours, là, les Curse. Là, il faut push. Ça pète facilement. Ça va péter maintenant. Ça va être un vrai problème pour les Curse. C'est arriver à... Il faut qu'ils arrivent à maintenir en vie leur Corki et leur Rice, mais surtout leur Corki, je pense, parce que le double AP en face va viser là où ça fait mal, c'est-à-dire les persos qui ont peu de points de vie. Dans les burnes. C'est ça. dans les parties, tout à fait. C'est pas très loyal, mais il faut ce qu'il faut pour gagner. Et je pense que en utilisant leur combo, les Fnatic vont essayer de dépop notamment Fragger, parce que son ulti fait très mal à chaque fois en teamfight. Après, une fois qu'il a... Fragger et Sleeper. Pour empêcher Sona de placer un ulti, il faut vraiment le one-shot. C'est possible. Vu leur compo, c'est possible. Mais t'as pas beaucoup de place à l'erreur. Et voilà, donc je pense qu'ils vont essayer de dépop très vite Fragger et Sleeper. Et après, ça va être dur pour les Curse parce qu'il va y avoir un vrai manque de DPS en teamfight. Donc ça va être intéressant et tout le problème pour les Curse, ça va être de pas se faire bouffer Sleeper entre autres. Et surtout de contrôler le DPS adverse. Petit abyssal chez Shogat peut-être qui arrive. Et là ce serait cool parce que Ryze est parti sur autre chose. Ryze est parti sur le Brassin de Feu Mortel qui maintenant est surjoué. Il est survu, il a déjà son déguisement hanté. Voilà. Donc ça peut faire beaucoup de pénétration sort, ouais. Voilà, plus les boots, etc. Et j'avais lu en soutien d'une de nos vidéos que déguisement hanté ça a étonné des gens, mais c'est fait de partout par les top teams. La pénétration magique, c'est... Notamment sur Rumble. Rumble, c'est tout le temps joué avec avec de la pénétration magique et le déguisement hanté. C'est vraiment un item maintenant qui est très commun sur certains persos, pas sur tous. Ça fait quand même deux drakes de suite non contestés, trois drakes de suite non contestés, oui. Dont ils se font enfler là, les Curse. Et tout le temps, toujours cet écart de gold qui augmente. Là, on est quasiment à 10k gold d'écart, donc c'est pas bon pour les Curse. Ce Ryze en fin de game, c'est quand même au-dessus de Orianna et de Kennen. C'est une unité différente. Je dirais que ça dépend beaucoup de la position. Si le Ryze, en fait, si la Orianna arrive à kite à l'infini, ce qu'avait fait très bien Ocelot, pour moi, c'est vraiment le meilleur exemple d'Orianna jouée à la perfection. Ce qu'avait fait Ocelot aux IEM pour les qualifications régionales européennes. Un petit Ryze. C'est du kite, et tu ne peux pas la choper. C'est dommage, j'aime bien le Ryze sur Orianna justement pour cet aspect kiting. Mais il devrait le faire à un moment. Attention, Soaz, ça peut-être engage Maluno qui prend de lourds dégâts et quand attends, même. Il y a Shen qui va se taper dans le tas, c'est très dangereux. Oh, Killwar qui prend de lourds dégâts, Killwar qui est full CC, Soaz qui est au milieu mais qui ne dit pas ses dégâts. Cyanide qui a ulti Sleeper qui a réussi à s'en sortir, et là c'est pas bon pour les Fnatic. Ça c'est décousu, mais finalement la Ryze qui a réussi à se faire buter, ça part un peu dans tous les sens. Maluno qui... Et finalement ils y arrivent, mais c'est fou cette teamfight, ils sont toujours bien engagés par l'équipe, et après ils se font retourner, et là voilà, ils ont tapé dans les parties, et il n'y avait pas de coquille chez les Curse. Mais sur ce coup là, Angouche qui a suivi Killwar jusque dans les enfers, et qui a réussi à le sortir de teamfight, mais le double AP des Fnatic a finalement fait la différence. Je dirais que surtout là c'est Peke, il a apporté un DPS considérable dans le teamfight, même pas qu'ils sont et il a fait la différence, je pense. Même pas le bracelet, vraiment il le garde pour le pauvre mec qui va oser le charger. C'est ça, c'est vraiment de la défense. Tu viens sur moi, ok. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, c'est... alors, le bracelet formatel, qui est un objet que j'adore, qui est génial, etc., blablabla, mais tu le vois partout en ce moment. Ils l'ont rendu tellement fort. Quand tu vires la régène, tous les persos qui n'ont pas besoin de régène, qui sont pas à mana, etc., t'en vois partout. Puis, Katarina, bracelet de feu mortel, c'est un scandale, cette saloperie. Ouais, mais Orianna a besoin de régène mana, mais de façon générale, vraiment, l'item a été remis au goût du jour. Après, je sais pas si c'était vraiment un up, c'était une refonte qui incitait les joueurs à le reprendre. Et puis de toute façon, il y a des modes. Parfois, il y a des items qui sont très forts. Moi, je pense que le bracelet de feu mortel, c'était fort même avant sa refonte. Ah oui. Mais les gens, vraiment, ils y faisaient pas attention. Et à tort, je pense. Ils y faisaient moins attention. Après, il y avait des persos sur lesquels ça ne se prêtait pas. Ouais, mais par exemple, sur une Orianna, il n'y avait pas moins de raison de le faire avant, quoi. Par exemple, sur un Ryze, le bracelet de feu mortel avant... Mais déjà, depuis qu'ils ont augmenté un peu les ratios AP de Ryze, et en plus avec cette suppression de régène dont tu n'as absolument pas besoin avec Ryze, clairement, t'as tellement un mana pool gigantesque, tu t'en fous d'avoir 15 de régène en plus. Oh, Maluno qui prend quand même de lourds dégâts là, qui est mid-life, et il décide de le sortir. Les Fnatic, alors ça, là, c'est un vrai pari parce qu'ils vont utiliser, l'ulti de Cyanide. C'est un pari gagnant. Là, c'est vraiment, c'était le bon choix. Ça aurait été perdant si les Curse avaient directement contre-attaqué.
mais ils ont réussi à le sortir avant les renforts, et là, du coup, ce Nashor va être extrêmement dur à défendre. Peke qui va très bien zoner, là, qui zone tout ça, toute cette entrée avec son ulti, qui ulti, voilà, qui punit tout de suite, c'est vraiment bien joué, il va tomber, mais c'est sans doute worth it comme move. Curse en gauche qui a engage, qui utilise son ulti pour s'en sortir, qui va mourir, Extinct qui est sous bouclier, il va falloir qu'il fasse le taf, Soaz qui a sorti le Zonia et l'ulti, et qui défonce Ryze. Et c'est dommage, c'était, ils y sont allés, ils se sont donnés un peu à part un. Et le pauvre Angouche qui essaie de se casser avec l'ulti sur Ryze, et Ryze qui est revenu. Donc même si c'était TP, il serait TP à 1 mètre de distance. En fait, ouais, c'était vraiment bien joué. Bah, Peke qui est mort pour sa team, mais qui a fait ce qu'il fallait faire, ouais, Camille, Extinct, Slayer et Fragger. Non, Slayer et Fragger, il les a mis ultra low life. C'est ça, il a fait ce qu'il fallait faire. Du coup, Corki a eu zéro impact sur les escarmouches d'après. Et voilà, donc là on a un inhib de push au milieu, on a un Nashor pour les Fnatic, et donc je pense que les Fnatic sont quand même bien partis dans cette game. On a un gros paquet de gold à mon avis sur certains personnages. Et il y a encore l'ange gardien de Hub sur Killwar, donc là c'est tout bénef. Les Fnatic vont pouvoir push avec un carry AD qui a son ange gardien, avec un buff Nashor pour... Non, il n'y a pas Peke qui l'a, mais voilà, un buff Nashor sur 4 joueurs. Donc là, vraiment, ils sont en position pour finir cette partie, et je pense qu'ils vont essayer de le faire. Ils vont peut-être push en bas, mais dans tous les cas, moi, je m'attends à voir un dive de leur part. Et Malphite qui est imbutable, là. Ça ne sert même pas... ça sert à rien de le focus, ils n'arriveront pas à le tuer avec leur DPS actuel, où ils vont y mettre tellement de temps qu'ils vont se faire découper. Le Rabadon Zonia sur Kennen. Ouais. C'est... Bah ça, ils ont un bon farming, ils ont des kills, ils ont pris tous les drakes, ils ont tellement de tours d'avance, ils ont un Nashor. Bah on le voit, voilà, 12k gold d'écart. Là, à mon avis, ce push va être compliqué. Ouais, et un Abyssal, donc sur double AP, on rappellera jamais assez. Par contre, il n'y a pas de volonté des anciens, même pas sur le Kennen. Pourtant, en double AP, c'est quand même appréciable. Ça s'est un peu perdu du jeu. Voilà, c'est typiquement un objet qui est passé de mode. Voilà, et bon, pourtant... Il y a eu des modifications, mais même, il reste complètement viable, mais il est passé de mode. Et pourtant, la mode est au double AP, justement, donc moi, ça m'étonnerait pas de le revoir sortir, hein, mais on va voir. Alors là, tout l'enjeu pour les Fnatic va être de placer un bon combo, parce qu'ils vont sans doute devoir dive, je pense, parce qu'il y a beaucoup de dépush. Il y a une bonne force de dépush quand même du côté des Curse, donc ça va être intéressant. Et Maluno qui va essayer de placer des ruptures à répétition, et s'il y en a une qui est bonne, mais on devrait avoir un ulti de Sona qui va passer par-dessus. Ils ont beaucoup de POC, ils peuvent, avec le buff Nashor, ils peuvent le jouer au POC et essayer. C'est parti, Slayer qui se fait engager, énorme combo, la bande des pop de Slayer, et Peke qui va mourir, mais c'est pas grave, ils ont fait le boulot, il y a plus assez DPS, Extinct qui se fait prendre la partie par Soaz, hop là l'ulti, et Shen qui arrive en renfort, mais ça ne suffit pas, énorme Zonia sur le taunt d'Angouche, pendant que Maluno il tente de tanker tout ça, mais voilà, c'est pas suffisant. Et là, ben, le tank et le support pour défendre, c'est fini. Oh, Killwar qui va prendre le kill sur Fragger, c'est bien joué. Il a encore son ange gardien. Et du coup, mais c'est super ce qu'ils ont fait là, les Fnatic, parce que ils ont sorti le carry AD, ils ont gardé le leur, du coup, ils vont pouvoir push. Ils réalisent même un ace, ils vont pouvoir sans doute conclure grâce au buff d'attaque speed de Killwar. Ça va aller très très vite. Oh, l'inhibiteur vient de repop. Ouais, est-ce que ça va leur laisser le temps? Non, sans doute pas. Petit contre-temps. Sans doute pas. Bah écoute, moi j'ai trouvé que c'était une super partie de la part des deux équipes. Tout s'est joué dans les teamfights à des combos réussis, à des placements, à des combos, des choix. C'était du beau jeu. Voilà, c'était intéressant. Il y a eu des erreurs, c'est vrai. Mais en tout cas, c'était une belle partie. Et donc, n'oubliez pas de nous rejoindre le 19 septembre. De toute façon, on va vous le rappeler, on va vous spammer partout. Voilà, c'est ça. C'est le Nexus qui tombe. Et écoute-moi, Chocapic. Je l'ai dit au début de la partie sur ton show. Chocapic. Oh, je l'avais même pas capté. Oh, c'était tout miteux. Et tu t'es foutu de ma tronche pour le faisait. Oui, mais moi, j'ai pas fait une faute de français absolument infâme. En tout cas, GG au Fnatic pour cette game. GG au Curse également. Et écoute-moi, bah, à la prochaine. À bientôt.